أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب Deuxième pilier de l'islam, mais aussi une des adorations qu'on sera le plus amené à réaliser durant notre vie, la prière. En plus d'être notre lien direct envers notre Seigneur, elle est également ce qui nous sépare de la mécréance. Et comme l'a dit le prophète Ali, d'après Muslim, Certes, entre un homme et l'association et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. Car là donc, nous aide à améliorer notre lien avec celle-ci. Car au jour de la résurrection, ce sera la première chose sur laquelle nous serons interrogés. » Et si notre prière est acceptée, tout le reste le sera. Et dans le cas contraire, la personne pour qui elle n'est pas acceptée sera perdante ce jour-là. Un imam ou un homme pieux connu dans sa ville, connu pour être généreux envers les gens et souriant, connu pour avoir une belle récitation, mais aussi pour être assidu aux adorations, bon envers sa famille et n'ayant aucun problème avec autrui, peut se retrouver non seulement en enfer, mais avec aucune de toutes ses prières, jeune et le moindre de ses bons comportements acceptés. Il a prié pendant des années, en connaissant chaque règle de la prière, en connaissant et maîtrisant la lecture du Coran, en étant assidu à la prière sans la faire sortir de son temps. Mais peu importe ses actions, elles seront réduites à néant. C'est parce qu'avant de les accomplir ou en les accomplissant, sa seule intention était d'être vu, d'être complimenté par les gens. Cela vaut pour la prière, mais aussi pour n'importe quel autre acte qui constitue une adoration. Adoration pour laquelle il faut vouer pour Allah seul notre intention. Ô oh, les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens, sans croire en Allah et au jour dernier. Il ressemble à un rocher recouvert de terre, qu'une averse l'atteigne, elle le laisse dénuer. De pareils hommes ne tireront aucun profit de leurs actes, et Allah ne guide pas les gens mécréants. Au jour de la résurrection, Allah enverra la personne qui a agi avec comme unique but de plaire à des gens envers ces personnes, leur disant de chercher auprès d'eux une récompense. Celui qui commet l'ostentation mineure est celui qui, lorsqu'il commet une adoration à l'approche ou à la vue d'une personne, commence à embellir sa prière alors que son intention de base était vouée à Allah. Préservons-nous donc de ce shirk mineur qui est l'ostentation, qui peut nous conduire à commettre un shirk majeur et nous faire complètement sortir de la religion. Celui qui n'embellit pas seulement, mais qui n'accomplit des adorations, avec comme seul but d'être vu comme une personne pieuse aux yeux des gens, sans chercher la récompense d'Allah, comme le faisaient les hypocrites à l'époque du prophète à propos desquels Allah dit Rendons-nous compte de la grandeur du Seigneur que nous adorons et mettons dans notre cœur comme unique but d'obtenir sa récompense et sa satisfaction. L'intention du musulman est une chose à laquelle il doit faire attention tout au long de sa vie, car il se peut qu'une personne commence une action avec une parfaite intention, mais au fil du temps, à cause des compliments des gens et sa volonté de leur plaire, ses actes ne soient plus du tout sincères. En sachant tout cela, vous ne serez pas étonné de savoir qui sont les trois premières personnes à être jetées en enfer.